va faire la partie de cache-cache, c'est la plus difficile jamais réalisée dans cet immense chalet. Mais ça va pas être un cache-cache comme les autres, puisque je vais me camoufler pour avoir la meilleure cachette possible. Dans cette vidéo, vous allez voir des cachettes hallucinantes, donc restez bien jusqu'à la fin, car pour cette première manche, c'est moi qui cherche. Bon les gars, vous êtes prêts? Ouais! Alors c'est parti, vous avez 5 minutes pour vous cacher. C'est parti, let's go. Let's go les gars. Ah, j'ai froid les gars, je sais pas où aller. Ah, est-ce que je me cache dans la neige? Ce cache-cache, ça va être une dinguerie. Les gars, on a réservé un chalet à 3 millions d'euros. Il est juste ici. Il est énorme. Honnêtement, il est tellement grand chalet que je sais pas si je vais trouver tout le monde. Oh, Boris, t'as ta cachette, Boris? J'ai ma cachette, je suis déjà prêt les gars. Attention à pas glisser les gars. Attendez, déjà glissé moi. Bon allez, on y va, c'est trop froid. Allez, rentrez, allez. Chacun pour sa pomme, hein, je vous le dis hein. Bilal, je me cache avec toi. Oh les gars, 5 minutes, ça va être très très lourd. Regardez, je suis en plein milieu de la neige là. Je caille, là, j'ai froid. C'est moi qui vais gagner. Je bloque tout le monde. Je bloque tout le monde. Oh les gars, regardez ce que je bloque. Bon, en fait les gars, Ren, il m'a donné une cachette. J'ai déjà une cachette les gars. Bon les gars, moi je fais la stratégie de la jouer en loose day. Pendant qu'ils sont tous en train de se marcher dessus, moi je vais trouver les meilleures cachettes. Regardez les gars, en fait là-bas, c'est le départ. C'est où on est parti. Je sais pas si vous voyez. Oh là là, le cadre, il est magnifique, les gars. On est à la montagne. Bilal, j'ai une méchante idée. On va aller se cacher en haut. J'ai trouvé deux poutres. Ça va être incroyable. Je te jure. Viens. Là, je te jure, viens, je te montre. Oh, je trouve rien du tout, Zilier. Monte peut-être à l'étage. Tu vas peut-être trouver. Vas-y, je vais monter. Viens, je te montre. Ça sera par ici, Bilal. Regarde, c'est dans cette chambre-là. Mais là, tu vas te mettre ici. Mais c'est une cachette de fou. Mais c'est ma chambre. J'avais jamais remarqué, les gars. Là, je dors juste ici. Et j'avais pas remarqué qu'il y avait une belle cachette ici. Regarde, Bilal, grimpe. Vas-y, je vais grimper. Tiens ma caméra. Vas-y. Franchement, je sais pas s'il y a beaucoup de cachettes dans cette maison, mais elle est archi grande. Le but, c'est que Twan Lag ne nous trouve jamais. Faut vraiment pas que je fasse de bruit, parce que sinon, il va me trouver dès le début. Et le but, c'est vraiment que je sois le gagnant de ce cache-cache. Let's go, c'est parti. Bon, ça fait une minute qu'ils sont en train de se cacher, là, j'entends plus trop de bruit. Je pense que ce cache-cache va être exceptionnel. C'est sûr et certain que tu arrives. Allez, 1, 2, 3. Oh, les frères, j'ai pas de cachette. T'as pas de cachette? Attends, on essaye de mettre Bilal. Oh. Un vrai ninja. Oh, mashallah. T'as réussi, hein. Mashallah. Attends, regarde, je te rends ta caméra. Oh, je suis choqué. Oh, les gars, j'ai une cachette de ouf ici. Regardez, les gars, où il est. C'est magnifique. Samir, c'est à ton tour, vas-y. Tiens, prends ma caméra. Vous avez pas de cachette pour moi, en vrai. Désolé, Moums, débrouille-toi. Ah, c'est grave. Mais c'est un truc de fou. Attends, je t'envoie ta caméra. Attends, je sais pas si je vais la faire tomber. 1, 2, 3. Bon, il reste plus qu'une minute. J'espère que tout le monde a trouvé sa cachette. Parce que là, ça va être incroyable. Eh bon, là, les frères, je pense qu'il doit rester une minute d'être comme ça. Faut que je me cache vite. Sinon, je vais me faire trouver. Mais j'ai jamais perdu un cache-cache de ma vie. C'est sûr que je vais gagner. Obligé. Ryan, toi, t'as une idée pour ta cachette? Non, moi, d'abord, je regarde où les gens ils se cachent et je vais trouver la meilleure juste après. Exactement, moi, j'ai la même stratégie. Vas-y, et toi, Mooms, tu vas te cacher où? Voilà, j'ai pas de cachette. Pour l'instant, je vais pas te mentir. Vas-y, bah je sais pas trop, frère. Couvrez, tout le monde qui s'est caché, y'a que moi qui s'est pas caché, je vais encore perdre. Les gars, venons sortir un peu sur la terrasse, peut-être qu'il y a des cachettes. Vas-y, va voir, dis-nous. Ah bon, je me cache dans les machines à laver. En vrai, je peux faire ça. Vas-y. Non, je peux pas faire ça, je suis trop loin. 421, 422, 423, 424, les gars, c'est long. Pourquoi j'ai dit 5 minutes? En vrai, de vrai, la cachette, non, elle est énervée. La cachette, elle est énervée. Je sais plus comment ça se passe. Là, vous voyez, Antoine, il va rentrer. Ça veut dire, la porte, elle va être fermée, elle va être comme ça. Bah, quand il va rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Comme moi, je suis intelligent, je suis le plus malin. Moi, je vais te cacher, là, derrière la porte. Ça veut dire que quand il va ouvrir la porte, elle va bloquer la sortie. Mais c'est bon, j'ai gagné. On est en plein hiver dans la station de ski, tout est enneigé. Et là, mon objectif, ça va être de trouver peut-être la meilleure cachette qu'il faut. Venez, les gars, venez. T'es venu juste pour la vue, toi? Les gars, je monte la vue et en même temps, je cherche une cachette. C'est vrai qu'il y a une vue de malade, en vrai, quand même. Oh, Moum, ça va? C'était en direct, ça. C'est vrai, il y a une vue de malade, quand même. Mais en vrai, il y a des trucs pas mal pour... Oh, Zilier. Ryan. Je peux t'assurer que tu gagnes le cache-cache si tu te caches là-dedans. T'es chaud ou pas? Je suis cap, hein. Vas-y, go. Là, ça va être chaud, patate. Tu vas avoir 10 minutes pour trouver tout le monde. Il y a 7 personnes cachées. Non, je pense que ça va le faire. Moi, je suis trop chaud, les gars. Je vous le dis, je suis trop chaud. Ah, mais t'es bien, là. Par contre, c'est que t'es vraiment bien. Vas-y, mais il est fou, lui, en vrai. C'est que moi, c'est mon premier cache-cache. Ouais, c'est vrai. Il faut que je le gagne absolument. Tu sais que c'est la honte, hein, si tu te trouves en premier pour ton premier cache-cache. Hein. Impossible de me trouver en premier. Regarde la cachette des autres. Obligé de trouver une meilleure cachette. Ah, mais là, c'est le dortoir. Il y va jamais, c'est les pauvres. C'est vrai, il dit qu'il aime pas ça. Oh, regarde cette salle de cinéma. Il y va jamais, non? Non, il y va pas. Je me cache là-dedans ou pas? Mais t'as plus le temps de réfléchir, de toute façon, vas-y. Mais c'est pas trop tricard? Non, vas-y. En plus, c'est sûr, je peux le voir arriver, en fait. Ouais, bah ouais, tu vas le voir direct et tu peux pas te cacher. Nickel. Bah, juste fasse attention. Faut que j'enlève mes claquettes. Oh, tu J'ai
Ça, impossible une prouve, je pense. Je vais mettre le matelas dans une position. Mais en vrai, il viendra pas ici en premier, donc il y a moyen que tu te trouves pas en premier. En plus, ça, entre nous, il est un peu bête, non? Pas trop? Bah, ça lui arrive, quoi. Ok, là, il reste plus que 30 secondes et le cache-cache va pouvoir commencer. Oh, j'ai trop hâte, je vais trouver tout le monde. Et les gars, si vous croyez en moi, je veux que dans les commentaires, vous spammiez Team Bilal, Team Bilal, Team Bilal. Et en plus de ça, il y a Samir. Et Samir, il est de la Team Bilal. Ah, remarque, c'est un peu étroit. Comme moi, je suis 3 mètres. Voilà, j'ai un peu du mal à trouver les caches qui me conviennent. Ma convenance, si vous préférez. En vrai, c'est faire, non, c'est faire. Bon, les gars, on va commencer à setup tout ça. Regardez-moi, ça va être compliqué. Attendez, je vais vous poser. Première étape, on va enlever tout ça. Tac, tac. On va le mettre comme ça. Et là, impossible, il va me trouver. C'est mort. Impossible, mais je vais le gagner en fait, le cache-cache. Premier cache-cache, première victoire. Machallah. Bon, les gars, la dernière pièce où il y a personne qui s'est caché. Mais il y a aucune cachette. À part dessous le lit, il y a aucune cachette. J'ai une grande terrasse, mais c'est impossible de se cacher là-dedans. Il va me voir direct. Donc j'ai pensé à quoi, les gars, ma dernière solution, c'est que je vais rester ici planqué sur la terrasse. J'ai observé l'arrivée de Toine Lac juste là. Et dès qu'il arrive, je vais me mettre en short de bain. Et honnêtement, je saute dans la piscine, hein, les gars. J'ai pas d'autre choix. Je veux vraiment pas perdre ce cache-cache. Il fait 3 degrés. Faut vraiment qu'il se dépêche. J'ai envie d'aller chercher ma couette. J'ai envie de me mettre bien, de me mettre un petit film. Il y a une petite prise ici. Je sais pas si j'ai la meilleure cachette par rapport aux autres, mais pour moi, je suis trop bien caché. Ils vont jamais me trouver, surtout Antoine. Impossible, il va me trouver. Les gars, c'est sûr que Toine Lag ne me trouvera jamais. Regardez, les gars, je suis avec Bilal juste ici. Moi, je me suis mis juste là. Normalement, Toine Lag, il va arriver ici. Il va jamais nous voir. C'est impossible qu'il me trouve. C'est impossible. S'il me trouve, c'est qu'il a triché. Moi, je le dis. Bon, les gars, j'ai fini de me changer. Si Toine Lag, il arrive, je m'en fous, je saute. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais attendre sur ma petite chaise. Je vais surveiller la porte d'entrée de ma chambre et s'il rentre, ma seule issue, ça va être le saut. 5, 4, 3, 2, 1, j'arrive ! Ok les gars, c'est parti, ça commence. À partir de maintenant, j'ai 10 minutes pour trouver tout le monde. Ah là là là, j'ai trop hâte là, ça va être incroyable. Là, il faut bien que je regarde de partout. Parce que là, si je rate quelqu'un, c'est sûr, il va gagner le cache-cache. Ok, là, on analyse. Hop, ici, il n'y a personne. Un petit bagarre. Est-ce qu'il y a... Oh ! Mais non ! Wesh ! Mais non, il m'a déjà trouvé, les gars, j'avais un plan de fou ! Je vous l'ai dit, les gars, faut analyser de partout ! Oh, je suis trop chaud ! Mais mec, j'avais un plan de fou, regarde, j'avais une prise, j'avais tout, j'étais trop bien, j'allais mettre un petit film ! Je pensais vraiment pas que j'allais te trouver en premier ! Mais pourquoi t'as regardé ici ? Mais c'était évident ! Bon, les gars, première personne trouvée au bout de 10 secondes ! Oh là là, je suis trop dégoûté, je vais me mettre au chaud direct parce que, les gars, j'ai trop froid ! Oh, j'entends beaucoup de bruit, j'ai l'impression qu'il a déjà trouvé quelqu'un ! C'est sûr et certain, il y a quelqu'un qui s'est fait trouver, j'entends deux personnes parler. Et c'est pas Ryan. Oh, ça commence très très bien. Les gars, j'arrive. Il y a déjà une personne trouvée. Il y a déjà une personne trouvée. Ok, donc là, faut que je vois de partout. Là, il y a personne. Là, il y a personne. Là où il y a personne. Ok, ça, c'est bon. Maintenant, étape par étape, on avance juste ici. Ok. Ici, c'est sûr, il y a quelqu'un, les gars. Non. Oh, là, c'est sûr, il y a quelqu'un ici. Déjà, les gars, regardez. Il y a le téléphone de quelqu'un. Là, il y a un téléphone. C'est pas pour rien qu'il y a un téléphone. C'est sûr, il y a quelqu'un ici. Non, fais voir le placard. Mais wesh. Attends. Là, il y a personne. On ferme la porte comme ça, on est sûr. C'est carré, c'est carré. Quand ça, je vais rester là, je vais pas bouger. Et les gars, j'ai une stratégie. Pour être sûr que personne se déplace, je vais laisser toutes les portes fermées. Si je vois une porte ouverte, c'est que quelqu'un a bougé. Oh purée, c'est juste là. Chut, on arrive discrètement, les gars. Attends, je vais fermer la porte. Ok, là, c'est fait, là. Plus personne peut revenir en arrière. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, les gars? Je suis sûr que quelqu'un. Alors, attends, derrière le canapé. Non, personne. Non, ok, il y a personne. Personne s'est caché dans le salon. Oh, il y a des bonnes cachettes par ici, hein. Attends, vous savez quoi? Je vais d'abord fouiller tout le jardin. C'est sûr, il y a quelqu'un. Allez, c'est parti. Ok, s'il y a quelqu'un ici, sache que t'es mort, c'est fini, je vais te trouver. Il va fouiller le jardin, les gars. Ça veut dire que là, il fouille le jardin une fois, il va monter aux étages après, chaud dans la piscine pendant qu'il monte aux étages, et j'ai gagné. Déjà, là, il y a la piscine. Ouf, elle est chaude, la piscine, j'ai bien envie d'aller me baigner. Ça me paraît suspect, là. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un, là. Oh, tu vois ce que je vois? Tu vois ce que je vois? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la neige? Non, en vrai, c'est impossible. Il fait moins 10 degrés. C'est impossible que quelqu'un se cache là. Samir, tu le sens comment? Franchement, je suis pas bien du tout. J'ai peur de tomber à tout moment. Imaginez, il arrive, il me voit, il me fait tomber. Ah ouais, on sait jamais. Vas-y, fais attention. Honnêtement, les gars, dehors, il fait super froid. Celui qui s'est caché dehors, il est chaud. Il est vraiment chaud. On va voir ici. Oh, mais oui, j'avais oublié. Vous voyez ce que c'est ça? C'est un sauna. Dedans, il fait super bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il y a personne. C'est une des meilleures cachettes ici. Dommage. Oh, ça rend fou. On a du mal à trouver. C'est pas compté. Il sait pas trouver des gens. En fait, qu'est-ce qu'il sait faire à part faire des vidéos sur YouTube et avoir des skins mythiques sur StumbleGuys. C'est sûr, il y a quelqu'un caché dehors. Je refuse de croire qu'il y a personne dehors. Là, s'il n'y a pas quelqu'un ici, les gars, s'il n'y a pas quelqu'un ici, je m'appelle pas Toine Lag. Attention, trouvé. Wesh, il y a personne.
Attends, fais voir derrière le jacuzzi. Non, il y a personne. Attends, mais ils sont trop bien cachés. En même temps, le chalet, il est tellement grand. Il y a 1 milliard de cachettes. Je fais un dernier tour dans le jardin. Si je trouve personne, c'est bon. J'arrête là, je rentre. Il fait trop froid là. Oh, il a dit que c'est son dernier tour dans le jardin. Ça veut dire que là, après, il va passer aux étages. Quand il arrive aux étages, je saute dans la piscine et c'est fini. Il reviendra pas dans le jardin me chercher. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la piscine? Non, personne dans la piscine. T'es fou ça, il y a personne, wesh. Ok, 3, 2, 1. Quelqu'un ici? Bon allez, moi j'ai trop froid. On retourne à l'intérieur du chalet. Ah, ça fait du bien là, on est de retour au chaud. Où c'est que je vais trouver quelqu'un? Attention, là vous voyez cette porte? Trouvé! Y'a personne. Mais le jour où je vais réussir à le faire, ça va être incroyable. Il est tout près, il est prêt, il est prêt, là à côté. Ok les gars, on n'oublie pas, on ferme les portes derrière nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les placards? Attention! Vas-y, mais attends, ils sont trop bien cachés, wesh! C'est quoi cette dinguerie? Y'a personne! Derrière les rideaux! Non, y'a personne. Ok. Attends! Sous le lit! Sous le lit, y'a quelqu'un? Vas-y, y'a personne. Ils sont bien cachés, hein. Attends, ce placard, il est immense. Là, c'est sûr, y'a quelqu'un. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Mais wesh! Y'a personne! Tommy, par contre, là, ils sont vraiment chauds en cachette, là. Ils m'attendaient pas à ça! Bilal, ouais. Franchement, je suis pas sûr de gagner ce cache-cache, c'est trop dur. Mais c'est moi qui vais le gagner, t'inquiète. T'es sûr? Ouais, j'ai pas envie de trouver le premier. Les gars, faut que vous me dites ça. Dans le cache-cache, vous préférez vous cacher ou chercher? Parce que moi, je déteste chercher, je veux que me cacher. Eh, les gars, à la base, je suis l'agent Z, hein, oubliez pas. Donc, autant vous dire que j'ai l'habitude de trouver les cachettes les plus secrètes de toute la Terre. On arrive dans la salle de bain. Oh là là, oh, c'est magnifique, par contre, les gars, le chalet. Et là, non, là, il y a personne. Là, il y a personne, c'est sûr. Ici, ok. S'il n'y a pas quelqu'un ici, c'est sûr, il y a quelqu'un ici. Ok. Non, là, il y a personne. Dans les placards. Dans les placards, c'est sûr, les gars, c'est sûr. On va aller voir en haut. C'est fini. Là, vous sentez cette odeur, là. Vous sentez. On sent la transpiration. Là, c'est sûr, il y a quelqu'un. Aïe. Oh, ok. Oh, comme c'est bizarre. La télé, elle est allumée. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un ici? Oh, c'est bon, tu m'as trouvé. C'est bon, tu m'as trouvé. Oh, il m'a fait super mal. Mousse. Aïe. Tu m'as tué. Ah, j'ai beaucoup, il a craqué. Boum, c'est le deuxième trouvé. Quoi? Deuxième? Ouais. J'espère que toi-même me trouvera pas. Je suis dans le jacuzzi. Je crois que je suis bien parti pour gagner ce cache-cache. En tout cas, j'ai même pas mis de serviette à côté. S'il me trouve, j'ai intérêt à vite courir me sécher. En vrai, là, on se referme ici. Je peux pas rester 30 minutes dedans. Si je reste 30 minutes, j'ai pas là. Ça, je vais pas tenir parce que c'est un peu étroit. Bon, là, on est à deux personnes trouvées. J'ai plus beaucoup de temps pour trouver tout le monde. Donc là, on va se dépêcher. Je vais monter en haut du chalet. S'il y a quelqu'un en haut, j'arrive! Bilal, est-ce que tu l'as entendu? Oui, je l'ai entendu, il arrive, je crois qu'il est en train de monter là. Là, c'est sûr, il y a quelqu'un. Oh, ok. Déjà là, il y a une porte fermée. Je sais que toutes les portes elles étaient ouvertes, ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un ici. Ok, vous êtes prêts? Je vais les surprendre. 3, 2, 1. T'as quelqu'un? Ok. Oh, regarde-moi là-dessous. Là-dessous, c'est sûr, il y a quelqu'un. Non! Oh, en vrai, c'est une bonne cachette. On retient pour la deuxième manche, elle est pas mal cette planque. Ok, là, il y a personne. Derrière la porte, vous voyez cette porte? Il y a quelqu'un, c'est sûr. Ok. Dommage, il y a personne. Mais attends, mais wesh, c'est une dinguerie. Faut bien que je regarde sous les lits aussi. Non, il y a personne. Wesh. Wesh. Gars, il m'a trouvé, je suis comme un dingue. Mais c'est quoi la planque de fou? Oh, franchement, j'ai mis toute mon âme, Antoine, pour monter juste ici. C'est impossible que tu me trouves le premier. Mais comment t'as fait pour monter là-haut? J'ai escaladé, j'ai mis tous mes bras, j'ai pas réussi, j'ai galéré. Mais attends, tu descends comment maintenant? Bah, déjà, tu vas me tenir la caméra. Les gars, c'est quoi cette cachette de fou? Ok. Oh, franchement, j'ai pas encore trouvé tout le monde, mais c'est la meilleure cachette, ouais, je suis choqué. Allez, vas-y, trouve-les les autres. T'es le troisième trouvé. Je suis troisième. Bon, les gars, ça va, je vais pas compter. À la prochaine manche. T'as pas trouvé, c'est une dinguerie. Fais pas de bruit, il est juste là encore. Je vais gagner. Oui les gars, la tube Bilal, on est là. Ok, maintenant il... Oh, oh, tu vois ce que je vois? Mec, il y a quelqu'un qui a coincé la porte. Ryan vient de sauter dans la piscine, cache-toi au fond, cache-toi. C'est une dinguerie. Il m'a vu ou il m'a pas vu? Je crois qu'il t'a pas vu, Ryan. Mais moi, je le vois pas bien. Je le vois pas bien du tout, mais je crois qu'il t'a pas vu. Est-ce que tu l'entends? Oui, je l'entends. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui sont cachés en haut. Donc, je vais bien regarder au plafond. C'est bon, il y a personne. Ok, ici. Oh, mais c'est une bonne cachette ici. Dommage, il y a personne. Dans le dressing. Non. Fais voir là-haut. Non, il y a personne. Ok.
Oh, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un ici parce que regardez, la porte, quand j'ai ouvert, elle était coincée comme ça. On pouvait pas rentrer. Bon, les gars, c'est bon. Moi, j'ai fini le cache-cache. Je vais laisser Bilal se cacher encore. Je vais le laisser tranquille parce que sinon, il va être trouvé à cause de moi. Bah ouais, vas-y, Samir, merci. Hein. Allez, Bilal, à tout à l'heure. Ok, donc là, j'ai regardé un peu partout. Il reste deux cachettes. Sous le lit, il y a personne. Et derrière le rideau? Non. Derrière le deuxième rideau? Mais wesh, ils sont cachés là où? Quand je sens qu'il est là, je vais me recacher parce que ça va être dangereux. Mon téléphone, je l'ai pas touché parce que c'est une erreur. Je sais pas pourquoi je l'ai laissé. Ça va être vraiment délicat, mais bon. J'ai confiance en ma cachette, je sais que je vais gagner. Fais voir sur le balcon. Pourquoi il y a des habits là? C'est pas Ryan, il est habillé comme ça? S'il y a des habits, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans le jacuzzi. Mais j'ai fouillé dans le jacuzzi. Ah, c'est trop bizarre cette histoire. Il y a personne dans la piscine. Personne dans le jacuzzi. Ah, peut-être qu'il s'est changé pour se camoufler. C'est grave bizarre là. Mais attends, mais c'est pas possible. Moi je pense qu'ils ont fait exprès de me piéger pour me faire perdre du temps. Il y avait personne ici. Et là les amis, on arrive dans la cachette la plus incroyable. On arrive dans ma chambre. Venez voir. Vous allez voir c'est quoi une chambre de luxe. Regardez-moi ça. Elle est énorme. Là c'est sûr il y a quelqu'un. On commence comme d'habitude sous le lit. Là il y a personne. J'entends ton lag, il est juste là les gars. Il est juste derrière ce mur, je l'entends. Je vais toquer pour le narguer, c'est bon bah. Les gars. Wesh, j'entends toquer, t'as entendu? J'entends des bruits juste ici. Attends. Toi là. Wouah, mais c'est Bilal. Mais t'es où? Attends, mais il est caché derrière le mur. Je suis dans les murs. Wesh, comment il a fait? Attends. Là, y'a personne. Attends, mais je suis pas fou, j'entends toquer. Il est où? Attends, je vais le trouver, viens. Je vais l'avoir à son propre jeu. Je vais y aller discrètement. Je crois qu'il est en dessous. Il arrive, j'ai attiré son attention. Faut pas que je fasse de bruit. C'est ici que ça faisait du bruit, non? Ah, j'avais pas regardé dans le placard! Bilal est là! Là-haut, il y avait Samir. Franchement, je sais pas où il est. Les gars, il est repassé. Il a failli me voir, il a levé la tête. Heureusement que je me suis penché. J'étais penché comme ça. Yes, let's go. J'ai réussi à le narguer et il m'a même pas trouvé. Il va pas me trouver, je vous dis. Il va pas me trouver. Je suis rationnel, il va pas me trouver. Non, s'il me trouve à l'odeur, je... Bon, là il me reste plus beaucoup de temps pour trouver tout le monde et oh, je vous avais dit ou pas la technique des portes. Regardez, la porte là, elle est ouverte. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est repassé par là. La porte là, elle est ouverte. Donc on va revérifier. Ok. Mais mec, pourquoi t'as fait du bruit? J'allais jamais te trouver. Toi aussi, vous l'avez plus délicatement. Mec, déjà ta cachette, elle est incroyable. Bien sûr, t'es pas censé me trouver. Mec, tu fais partie des derniers trouvés. Là, il me reste encore 3 personnes à trouver. C'est ça, j'ai pas gagné. Non. Mais j'ai perdu. J'étais le meilleur. Allez, mon gars. Les gars, il y a toi de là que je me recache vite. Ça va bientôt être la finale. Je crois que toi de là qui a trouvé sa couteau. Bon, allez, là, il me reste vraiment plus beaucoup de temps. Faut que je trouve les 3 derniers. Il reste Bilal, Ryan et Zinier. Ah, oh, je suis dégoûté. Il m'a trouvé. Moi je pensais que j'allais gagner. Les gars, moi je suis sûr que ton lag me trouvera jamais. Je vais continuer à le narguer, je vais taper dans les portes. J'ai toujours pas trouvé Bilal là, ça commence à me taper sur le système. Ils sont cachés où? Il est là. C'est un truc de fou, ça fait une heure je cherche. Oh, vous avez entendu? Attends. J'ai entendu toquer là. Oh, il y a quelqu'un ici, je suis sûr de moi. Attends, j'ai pas bien vu là-haut. Oh wesh! Non, tu m'as vu! Mais dis-moi que c'est moi le dernier! Dis-moi que c'est moi qui ai gagné le cache-cache! Mais attends, ça veut dire que tout à l'heure là, je suis passé là? Ouais, t'es passé là, ouais! Je t'ai pas vu! Non, tu m'as pas vu, frère! Mais c'est quoi cette dinguerie? Dis-moi que c'est moi qui ai gagné! Non! Quoi? Mais j'avais la meilleure planque! Il reste encore 2 cachés! Mais non, les gars, j'étais sûr de moi! Par contre, c'est une dinguerie! Mais tu sais que t'aurais pas toqué, t'aurais gagné! Mais ouais, j'ai voulu te narguer, je suis trop bête! Eh ouais, Bilal, attends, comment tu descends là? Ah ouais, par contre, je sais pas! Allez, saute! Non! Attends, bon Bilal, ouais. Ça fait une heure que je galère à trouver tout le monde. Ouais. S'il te plaît, donne-moi un indice. Vu que c'est pas moi qui a gagné le cache-cache, les gens sont tous à l'extérieur. Quoi? Tous ceux qui restent, ils sont à l'extérieur. Vas-y, fonce, vas-y. Oh, non. Allez, vite. Ils sont tous dehors. Ah, j'ai perdu. Je suis dégoûté. Moi, je pensais que j'avais gagné. Tu sais, moi, je poucave tout le monde, hein. Je m'en fous. Donc là, les derniers, ils sont obligatoirement dehors. Ok. J'ai entendu un bruit dans la piscine. Mais quelqu'un dans la piscine. Regarde bien toi de lag, regarde bien. Attention. Eh wesh. Non. Mais attends, j'ai été dans la piscine tout à l'heure, j'avais personne. T'as bougé mec, t'as triché. Attends. Non mais frère, j'avais un plan béton. Mais frère, mais comment t'as fait pour te laisser dans la piscine? J'ai fouillé la piscine. Mais frère, j'ai sauté du balcon, je savais que t'allais fouiller l'extérieur en premier. Dès que tu rentrais de nouveau là-bas, t'allais jamais repasser dehors. Qu'est-ce que tu fais là? Attends. T'as sauté du balcon? Ouais, mais qu'est-ce que tu fais là toi? Je t'ai pas vu. Dis-moi que j'ai gagné au moins. Non, t'as pas gagné. T'as pas trouvé quelqu'un? Il reste encore 6 liens, je sais pas où.
où il est caché. Purée. Mais attendez, c'est quoi ces cachettes de zinzin que vous avez tous là? Attends, normalement, il est dehors. Il est forcément dehors. J'ai fouillé tout le chalet, y'a personne. Quoi, pourquoi tu rigoles? Je peux pas te dire. Ok, attends, attends, il est où? Si je peux te donner un indice, c'est que Zilly, il est bien au chaud. Il est au chaud? Ouais, il est vraiment au chaud, quoi. Les gars, le dernier, je vais lui faire une grosse surprise quand je vais le trouver. Je vais lui faire une maxi boule de neige. Je vais lui mettre dans sa face. Ok, il est au chaud. Normalement, au chaud, il y a le sauna. Wesh! Wesh! Ça glisse! Il y a personne dans le sauna. Les gars, je suis mal, les gars. Il a dit qu'il allait me jeter une maxi boule de neige. Mais wesh! Vous avez entendu? T'aurais pas dû parler, mec! Mais wesh! Oh wesh, comment t'as fait? Oh attends, viens, viens par là. Oh, comment t'as fait pour me trouver? Oh oh quoi, lag? Je vais te tuer! Mais attends, mais ça fait une heure qu'il est dans le jacuzzi! Oh mec! Ouais. T'as gagné le cache-cache! Je sais! Et ça, c'est parce que je suis le meilleur à cache-cache de toute la vallée, et de toute la ville, et de toute la France! Tu sais ce que t'as gagné? Non. T'as gagné le droit de nous chercher pour la deuxième manche! Les gars, vous êtes morts, je vais tous vous trouver! Je suis le numéro 1 mondial à cache-cache! Les amis, on est parti pour la deuxième manche. Et cette fois-ci, comme c'est toi qui as gagné le cache-cache, c'est toi qui vas chercher. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, les gars. Cette fois-ci, je rentre le premier dans la villa. Où je trouve la meilleure cachette. Ok, là, ça va être incroyable. Je compte 1, 2, 3. Ok, les gars, moi, j'ai un plan d'enfer. Je monte tout droit au dernier étage. Tu montes où, Bobo? Dans la meilleure chambre, frère. Je monte dans la meilleure chambre. Et je vous jure, ils ne sont pas prêts de la manière dont je vais les trouver facilement. Je vais vous raconter mon palmarès de cache-cache. Champion du monde 98. Champion du monde 2018. Je suis là, mais j'ai pas de plan. Je sais pas quoi faire, les gars. Faut que je fasse quoi? Oh, moi, tu vas aller où en vrai? Oh, il neige à fond. Tu veux voir une cachette de malade? Malade mental. Là, ici, dans cette chambre, il y a moyen de se mettre sous une couette ou au-dessus, là, je sais pas. Je sais pas, je fais quoi, les gars? En plus, il y a 5 minutes. Les Zilly, il est trop fort au cache-cache. Il va me trouver, c'est sûr. Faut que je fasse attention. Moi, mon objectif, c'est de trouver Twan Lag en premier et Bilal en deuxième. Je vais vous montrer que ces deux-là sont pas si forts à la cache-cache qu'on ne le croit. C'est facile d'aller dans Micromania, soulever une trappe. Moi, je vais vous montrer que tout ça, c'est du gros pipeau et qu'en réalité, ils sont super nuls à cache-cache. Bon, là, les gars, c'est un truc de malade. Bilal! Bilal, tu t'es mis où? Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à trouver une bonne planche. Tiens, j'ai une cachette de fou. Viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. Vas-y, on va suivre Twan Lag là. Les gars, là, ça va être une dinguerie. On va faire un cache-cache camouflage. Déjà, regardez mon camouflage, moi. Ah, mais t'avais tout prévu. Bien sûr, les gars. Et tu vas te mettre où, toi? Bah, t'as vu, dehors, il neige. Ouais. Et ben, je vais me cacher dans la neige. Ah ouais. Et nous, on fait quoi? Sakudo, tu vois, là, il y a des plantes. Tu vas mettre ça et tu vas te camoufler dans la végétation. Je suis choqué, il a tout prévu. Les gars, pour ma cachette, j'ai prévu un accessoire de fou. Regardez, c'est une fausse main. Donc, je vais setup un truc de fou sous le lit. Je vais mettre cette fausse main qui dépasse du lit avec en même temps des petits oreillers pour faire style que je me cache en dessous. Mais ça sera pas moi. Du coup, il va arriver. Je t'ai eu. Eh non, les gars, moi je serai derrière un rideau ici en train de regarder tout ce qui se passe et je pourrais me taper des barres. Ça va être trop drôle. Et j'ai un message à tous les youtubeurs qui se prétendent forts en cache-cache. Inox, Michou, si vous m'appelez dans un de vos cache-cache, croyez-moi, je vais vous débusquer en 2-2. En attendant, on est avec Twan Lag, c'est le niveau 1, c'est la facilité. Et on va le débusquer en 2-2. Twan Lag, je vous le dis, hein, c'est un petit rigolo. J'ouvre la porte, regarde. Là, juste sur le toit, impossible, il me trouve, Zilly. Là? Comment ça? Mais là, dans la neige? Ouais. Mais t'es complètement taré de faire ça. Mais là, juste en dessous. Faut juste pas que je meure, et sinon ça passe. Monter, oh, il neige et tout à mort. Mais c'est un truc de fou. Ils sont juste là. Faudra que je me cache très rapidement. Twan Lag s'est permis de me jeter une boule de neige à moins 5 degrés alors que j'étais dans un jacuzzi, les gars. Il fait au moins 60 degrés. Avec le choc thermique, j'aurais pu y laisser ma peau. Alors croyez-moi, quand je vais trouver Twan Lag, je vais lui préparer une dinguerie dont il va se remémorer. Les gars, j'ai le meilleur accessoire. Donc je pense qu'on va commencer tac. La main, faut bien la mettre à découvert. Comme ça, faut bien qu'il la voie. Mais en même temps, j'ai des oreillers. Ça me permet de faire un faux corps tout droit pour faire genre que je me cache en dessous alors que non, 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 je suis pas ici. Regarde, tac. Hop, c'est sûr, faut bien remonter le drap. Maintenant, c'est Bilal qui va se mettre à camouflage. Et Bilal, tu vas te cacher dans l'eau. Camouflage bleu, on va être invisible. Frère, il neige, tu veux me mettre dans la piscine alors qu'il neige, il fait froid. Bah ouais. T'es sérieux là? Oui. J'ai pas le choix. Oui. On va gagner ce cache-cache, Bilal. On approche les 130, je vais pas tarder à y aller. Hein. On va pas tarder, on attend un peu, on va leur laisser un peu de temps, un peu plus. Comme ça, ils pourront pas dire que je triche. Moi, les frères, moi, je vous dis, c'est moi qui va gagner ce cache-cache. Je me gâche sur le toit. Alors, impossible, moi, les gars, trouve. Pour vous annoncer, impossible, la trouve. Pire des cachettes, c'est de dinguerie. Je vais être le premier à trouver, je vous l'annonce. Ça fait quoi de perdre déjà en avance? Bah, je sais pas, j'espère qu'il trouvera quelqu'un d'autre avant moi. Hein. Dites-vous, je sais qu'il y en a, et je vais pas spoiler la vidéo, qui vont être dans l'eau, et ils vont avoir très très froid. Mais t'as la pire cachette du monde. Mais au moins, j'aurais pas froid.
et je suis chaud là. En attendant, j'entraîne ma vue. Tu vois, quand un cache-cache, tu peux regarder là, mais c'est un coup, la personne est cachée à l'opposé. Et là, faut savoir se retourner. Je regarde là, mais ça se trouve, la personne, elle est à l'opposé. Et là, faut savoir se retourner. Faut avoir un coup hyper, hyper vif. C'est bon, les gars, on a mis nos camouflages. Donc, moi, je suis en blanc, je vais me cacher dans la neige. Bilal, il est en bleu, il va se cacher sous l'eau. Et Sakudo, il est en vert, il va se cacher dans la végétation. Vas-y, Sakudo, regardez-moi sa cachette. Elle est incroyable. Mec, tu te confonds parmi les plantes. C'est possible, on le trouve. Vas-y, vas-y, mets-toi encore plus discret. Oh là là, oh, c'est parfait. Attends, je te rajoute des plantes. Tac, voilà. Là, on le trouve pas, là, on le trouve pas. Impossible. C'est sûr, on trouve pas Sakudo là. 618, 619, 620. Bon, je suis arrivé, il me reste juste à me mettre en dessous. Tu penses que c'est une bonne cachette ou pas? C'est une très très bonne cachette. 720, 721, 722, 723. Juste ici, je me cache, juste en dessous. Regardez, juste en dessous. Impossible, il me voit. 817, 818. Quand même, il nage à fond. Bon, en vrai, sa coup d'eau, il est pas du tout bien caché, mais on l'a fait exprès, comme ça, il est premier trouvé. Quoi? Bon, vas-y, c'est quoi la suite, Ton Lag? Ok, moi d'abord, vas-y. Moi en premier, viens avec moi. Vas-y, on va t'en sortir sous la neige, Ton Lag. Allez, c'est parti. Bon les gars, j'ai trouvé ma cachette, tiens regarde, suivez-moi. J'ai trouvé juste ici, j'enlève la chaise et je me mets juste là, regardez. Il y a, personne qui va me voir. Vu que je suis pas très grand, juste ici et c'est bon. Voir ma caméra, c'est tout bon pour moi. Les magnifiques cheveux écrasés par ce costume. Franchement là, vous avez pas vu, hein. Vous avez vu comment je me ridicule pour Ton Lag. Ah, j'en prends un coup moi. Regardez-moi cette tenue. En vrai, le camouflage il est bien quand même. Le camouflage il est pas mal. Et j'ai hâte de tous découvrir leur cachette. J'ai hâte de voir à quel point ils sont malins, à quel point ils sont ingénieux. Et ça va être l'occasion aussi pour vous d'encore mieux découvrir la villa de malade qu'on a. Louer. Franchement, c'est fou, c'est incroyable. Oh, c'est froid, les gars! Ok, Bilal, prends une pelle juste ici. Vas-y, let's go! Tu vas me recouvrir de neige. Bon, les gars, je vais profiter d'avoir la meilleure chambre pour me mettre tranquillement sur le balcon. C'est pas tous les jours qu'on a une chambre comme ça à 10 000 euros la nuit. Hein. En plus, j'entends des cris, je sais pas ce qui se passe. Je vais aller voir ça tout de suite. Attends, tu sais quoi, je me mets là? Ah oui, vas-y, je vais t'en servir là-bas. Vas-y. Vas-y, je me mets comme ça. Vas-y! Les gars, toi, le lag, il est en train de faire une cachette de malade. C'est juste en bas, vous êtes pas prêts. Bon, les gars, le temps qu'il me trouve, on va essayer d'explorer le toit. On sait jamais s'il se cache des choses là-dessous. Donc, je suis allé en dessous, il y avait rien. Je vais essayer d'aller encore un peu plus. Oh, sa mère. Je vais essayer d'aller un peu plus loin, juste l'autre côté là-bas. On va voir qu'est-ce qui se cache. Oh, ça glisse, ça glisse, ça glisse. 1001, 1002, les gars, j'ai jamais compté aussi longtemps pour un cache-cache. Parce que je sais qu'ils sont tellement nuls que j'ai besoin de passer grave du temps à compter. Oh, les gars, on n'a pas beaucoup de temps pour se cacher là, c'est méga compliqué. Ok, Bilal, je dois t'aider. Ah, j'ai fait un trou. Ah. C'est bon, je suis bien là. Vas-y, vas-y. Ok, là, c'est pas mal là. Là, on commence à bien être couvert. Vas-y, Bilal. Hop là. Ah. Bon, allez, c'est fini, Ton Lag. Ok. Les gars, c'est super froid, mais attends, attends, est-ce que je suis bien caché? Oui, t'es bien caché. Allez, let's go, c'est à mon tour. Viens, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Hop là, je prends ma caméra. Ma bouteille d'oxygène, bien sûr, pour tenir. Oh, cadreur, je compte sur toi, tu refermes la piscine juste derrière. T'inquiète. Faut pas qu'il ait de doute que je sois dans la piscine, c'est bon? Allez, c'est parti, let's go. Oh, elle est chaude! 1035, 1036, 1037. On va accéder à derrière le chalet, là où Ton Lag se cache. On va aller voir tout ça. Oh, c'est super glissant, il y a juste la piscine en bas. Faut bien que je m'accroche aux parois sur le côté. Les gars, j'ai trop froid. Oh, j'ai vraiment froid. Oh les gars, si je gagne pas ce cache-cache. Oh Bilal, je te vois. Ouais, ça va ou quoi? Mais tu vas mourir. Ouais, je vais mourir, Bilal. Froid, moi je suis à 30 degrés dans ma piscine. Et j'ai déjà froid comme ça, la tête en l'air. Bilal. Ah mais y'a Boobs. Oh, t'es sur le toit. Je vais essayer de l'avoir, ce Bilal. Il l'a mérité, cette boule de neige dans la tête. Alors, les gars, j'ai compté jusqu'à 4000 et je crois qu'ils sont prêts. Alors, suivez-moi, let's go, on y va. Bon, les gars, là, je suis totalement enseveli sous la neige. Je suis invisible, c'est impossible qu'on me trouve. Dans la piscine, on est bien. Bilal, ça va? Je crois que j'entends Ton Lag qui m'appelle là. Ouais, j'ai tellement envie d'être à ta place. Est-ce que t'as chaud? Bah ouais, je suis bien moi. Ouais, j'ai froid. Ouais, j'ai froid. Oh, vraiment là, faut que tu me dises quand il arrive comme ça. Je me cache. Il arrive, je te dis direct. Les gars, la neige elle tombe. Regardez l'ambiance. L'ambiance elle est macabre. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais fouiller la maison de fond en comble. Alors suivez-moi. Allez, let's go. Et dites-vous une bonne chose. Soyez pas surpris si je les trouve en moins de deux parce que je suis l'expert en cache-cache. J'arrive! Vous avez vu comment je m'en récupère pour Ton Lag, en plus là il arrive, le chercheur. Tiens, 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 est-ce qu'il y a quelqu'un qui est caché là? Comme je vous ai montré tout à l'heure, le geste le plus important au cache-cache, c'est celui-là. Bon là il y a personne, venez, on va continuer. Ton Lag, je suis désolé, j'ai trop froid, je vais te laisser. Ah je suis bien! Est-ce que t'es bien toi? Non les gars, je suis pas bien! Bilal! C'est la mousse. Oh, arrête de me jeter de la neige! Les gars, ils sont en train de faire une bataille de neige carrément, mais c'est quoi leur cachette de fou? Il m'a jeté une boule de neige, regardez, il y en a dans la piscine. Deuxième étape, trouver rapidement les gens qui croient être malins. Suivez-moi, ça va être un cache-cache de zinzin. Oups, j'ai oublié d'enlever mes gants. Le coup d'œil qui est super important au cache-cache, on l'a vu tout à l'heure, cas d'école, comme ça vous saurez.
Tiens, 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 qui c'est que je croise? Eh, oh, trouvé! Mais dis-moi pas que c'est Sakudo déguisé en grenouille! Comment ça, grenouille? Mais on t'a trouvé en flagrant délit, Sakudo, s'il te plaît. Comment tu m'as trouvé? Je suis camouflé, j'ai tout. Œil de lynx, je suis le meilleur joueur de cache-cache d'Europe et du monde. Enchanté. Sakudo, je te laisse retourner vers tes nénuphars. Mais en fait, t'as tenté quoi avec cette tenue? Mais je sais pas, je voulais mettre dans mon environnement. Mon environnement, il est vert. Je me suis dit, il est bien dans un costume vert. C'est beau. Sakudo, l'écolo. En tout cas, t'as été trouvé. Bien joué. On continue notre route. Viens, suis-moi. Pour l'instant, ça commence bien. Donc, je sais que je suis archi fort, mais je peux me tromper parfois. Il s'approche, je sais ce que je vais faire. Je vais aller dans le jacuzzi. C'est là où il s'est caché au début. Et c'est comme ça qu'il a gagné le cache-cache. Et c'est comme ça que je vais gagner le cache-cache moi aussi. On refait ma spéciale, le coup d'œil. Ta ! Personne. Deuxième coup d'œil. Ta ! Oups, pardon. Non, personne. J'ai pas dit mon dernier mot. Faut juste que je fasse attention à pas tomber. Parce que c'est super dangereux. Ça fait que de glisser depuis tout à l'heure. Et j'ai pas envie de mourir pour une vidéo YouTube. Prendre Boris, il m'a abandonné. C'est qui toque là? Il m'a vraiment abandonné, Boris. Les gars, je vous ai dit quoi? Il vient de toquer, il a un problème. Faut que j'aille vite l'aider. Je suis livré à moi-même, dans la neige, dans le froid, sous moins 10. Oh, puis tout à l'heure je toque, frère. Mais je t'entendais pas, mec. Tout à l'heure je toque, il fait moins 10. Toi, t'es caché où déjà? T'es toujours sous là-bas? Sous le rideau, ouais. T'es bien au chaud, hein. Là, c'est la salle télé, tu vois. Et on va voir s'il y en a qui s'y cachent. Franchement, quand vous jouez à cache-cache et que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui sont cachés derrière un coussin, bon, même là, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à pas les trouver comme ça. Pas. Ça, on appelle ça l'ouragan, ok? Allez, on continue. Bon, je vous fais une démonstration. Si Zilly arrive, il va arriver comme ça par là. Et moi, hop, direct. Ça y est, je suis prêt. Bon, je retournais voir Bilal et Twanda, je vais voir s'ils ont été trouvés. Là, je peux me balader sur tout le toit. Au moins, si il va dans la chambre d'à côté, je peux venir ici. S'il va dans cette chambre-là, je peux aller de l'autre côté. Mais franchement, sachez une chose, hein. J'active le mode Super Saiyan 2. Et là, ça va dépoter. Let's go. Ta ! Non. Y'a personne. Ça, c'est le pull de la sœur de Twan Lag. Mais il le prend pour lui. Chacun ses goûts. Allez, c'est parti. Oh, il monte. Il arrive. Je vous jure, quand je vais trouver Twan Lag, il va passer un quart d'heure, mais vraiment sale. Bon, c'est quoi ce cache-cache où personne n'est caché? On va vérifier ici quand même. Personne. Là, je suis pas en tenue, mais je vais aller un petit peu sur le balcon en pleine neige, parce que pour être un très bon joueur de cache-cache, il faut savoir prendre des risques. Suivez-moi. Ok, Zilly, il est juste là en train de chercher, les gars. Je ne bouge plus. Et c'est le même coup d'œil que je vous ai montré tout à l'heure, toujours le même geste. Bon, j'ai vu Zilly, il est juste à côté, sur l'autre balcon, dans l'autre côté du chalet, juste là-bas. Il faut vraiment que je retourne à ma cachette, il faut que j'arrête d'envoyer des boules de neige à Bilal. Toujours le même geste. Ok, clac, ta, Mooms, vu. Mooms, t'es trouvé. Il faut le retourner à ma cachette, je crois qu'il m'a trouvé. J'aurais jamais dû sortir de ma cachette. Mooms, on t'a vu. Mooms, t'es trouvé, vous le voyez peut-être pas, mais grâce à ce coup d'œil. Il était juste là, les gars. J'ai une cachette de fou furieux, elle est incroyable. Je ne bouge plus. Je suis un bonhomme de neige, je ne bouge plus. Oh, c'est lié, là. Oh, il est juste au-dessus. Les caches est vraiment froid. Il est juste à côté, il me voit pas. C'est pas grave, on va le choper par le callback de l'autre côté. Venez voir. Il m'a pas vu, allez, suis-moi. Et pouce bleu si vous trouvez que je suis un meilleur chercheur que Twan Lag. Les gars, là, il vient de passer à côté, il m'a même pas vu. Ma cachette, elle est incroyable. Oh, j'ai trop froid. Tiens, tiens, tiens. Je vais devoir réutiliser ma technique secrète. Ta, ta, ta. Non, personne. Bon, les gars, j'ai pu me relever. Il est monté tout en haut. Là, pour l'instant, je suis safe. Il va aller trouver ceux qui sont en haut parce que je sais qu'il y a des gens qui sont cachés en haut. C'est sûr et certain. Moi, je vais rester ici ou juste allongé ici, comme j'étais auparavant. Et j'espère qu'il va trouver ceux qui sont dehors en premier. Comme ça, je vais gagner le cache-cache. Je vais quand même vérifier sous le lit, hein. On sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Surtout avec cette pierre espèce de petit malin. Je vous jure par la barbe de Merlin qu'il n'y a personne sous ce lit. Et ils sont un peu malins, mais à la base, on devait faire quoi? Chercher Mooms. Parce que Mooms, il croit qu'il va nous échapper. Attendez, il est où là? Les gars, ma cachette, elle est horriblement dure. Oh les gars, comment j'ai froid! Oh, faut vraiment que je gagne ce cache-cache. Bilal! Attendez, y'a Twan Lag qui m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, Twan Lag? Là, ce sera toi ou moi qui gagnera ce cache-cache. Il a déjà trouvé des gens, Zilly? Je sais pas, on a les deux meilleures cachettes. Oh, j'ai trop froid! Vas-y, je vais rentrer par ce balcon. J'ai envie le canard deck des pots de neige. Prépare mon arme en mode commando. Il est où, Mooms? Comment il a réussi à s'en sortir? Est-ce qu'il faudrait que je descende? Allez, on va prendre des risques. Venez voir, je vais l'attraper par le callback, celui-là, et il va passer un sale quart d'heure. N'essayez surtout pas de le faire chez vous. Il est pas prêt, il est juste en haut, regardez.
Mooms, j'arrive. Tu es fait comme un rat. Petit coquin, tu crois pouvoir m'échapper? Mais personne n'échappe à l'agent Z, pas même toi, Nlag. Je vais l'attraper par le callback. Regardez avec quoi je veux l'attaquer. Il est mort. Il est mort. Bon, les gars, on a dû prendre un nouvel angle parce que là, on est sur le toit d'un des plus beaux chalets de la vallée. Et je sens le chakra de Mooms. Regardez la boule de neige. Il est mort. Je sens le chakra de Mooms, il est là. Attaquez-le. Attaquez-le. Mais Mooms, t'es trouvé. Tu ne peux plus te défendre. Sache que tu es hors d'état de nuire. J'ai perdu ou pas? Oui, t'as perdu, Mooms. Fallait le trouver, les gars. C'est pas tout le monde qui fait ça. Nous, on prend des risques, on monte sur des toits. On n'est pas là à se dorloter dans nos draps de soie. Let's go. Bon, les gars, j'ai perdu. Extrêmement nul, au moins. Il ressort plein de neige dans la tête. Et ça, c'est incroyable. Oh, les gars, il fait trop froid. Il fait trop froid chez moi. Je sais pas ce qu'il fait, les gars. Allez, je vais pas te dire longtemps. Les gars, c'est bizarre. J'entends plus toi de Mike. J'espère qu'il est encore vivant. Attendez. T'es vivant, toi? Oh, le chien! C'est un traître, ce mec, c'est un traître. Vous avez vu? Il me jette des boules de neige. Vas-y, j'ouvre plus, je l'aide plus. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis un crack. J'ai trouvé, il me semble, deux personnes pour l'instant. J'aimerais bien trouver la doublette légendaire. Bilal et Samir, ces inséparables sont des vrais coquins. Ils kiffent dormir ensemble et passer des moments rien que tous les deux. Oh les gars, il est passé juste à côté, il a dit qu'il voulait trouver Bilal et Samir, le duo inséparable. Mais il sait pas que c'est Bilal et Antoine, le duo inséparable. Oh, que vois-je? Ne serait-ce pas ma caméra thermique personnelle que quelqu'un semblerait avoir empruntée? Tout devient plus simple avec une caméra thermique. Regarde-moi cette source de chaleur incroyable. Je sens qu'il doit avoir... Wesh! Il y a une mano là, il y a une main. Encore une fois, la même blague, mais ils ont pas l'air de forcer un peu avec leurs mains en plastique là? Pardon. Je n'oublie jamais, comme vous pouvez le constater, hein. Sur tous les lits que j'ai fait, je regarde toujours en dessous. Donc là, je vais pas y me louper. Toujours personne. Les gars, je suis en difficulté, je vais pas vous le cacher. Mais croyez-moi, j'ai pas dit mon dernier mot. J'ai trouvé cet individu. Sors de là, je vais t'attraper. Mais non. Callback. Il est là, regardez-moi ce grand dadais que j'ai chopé derrière les rideaux. Alors comme ça, on se cache? On emprunte ma caméra thermique? Mais comment tu m'as trouvé? Tu l'as utilisé? Un petit peu, mais c'est aussi mon flair. Et je vais te montrer l'un de mes gestes qui rate jamais quand je fais un cache-cache. Un pas de pata. Un pas de pata. Ok les gars. Il arrive, je vais me cacher. Je pense qu'ils sont totalement fous, ils savent que je suis trop fort et ils ont pas hésité à se cacher à l'extérieur même par temps de neige. Moi je m'en fous, je sais que je vais les trouver dans tous les cas, mais franchement, ça se voit qu'ils ont vraiment pas confiance en eux. Pour aller se cacher par temps de neige à l'extérieur, je vais juste chercher mes chaussures les gars, et j'arrive. Oh les gars, je suis bloqué, il est juste là, je peux plus rien faire, mais là je crois qu'il va aller chercher les autres. Moi je suis un grand cuistot aussi, c'est pour ça que je néglige jamais les cuisines. Donc clac, clac, clac. Tiens, nous revoilà face à face. Ah non, les gars. Sortez donc d'ici, mon brave. Oh non, je me suis fait avoir. Laissez-moi vous présenter quelqu'un. Oh là là. Ce bon vieux Samir qui avait trouvé une cachette assez maligne. Je te félicite, mais Samir. Mais tu sais qu'à la base, tu m'as pas vu quand t'as vu sa Sakudo, j'étais en dessous et je me suis glissé ici. Samir, bien joué. Bien joué pour la... Pour la cachette. Pour la cachette. Ça y est, il arrive, les gars. Bon les gars, je vais arriver sur la terrasse. Mon flair me ment jamais. Là, je débarque sur la terrasse, ça va dépoter. Suivez-moi de près. Parce que là, je vous promets, je vais rigoler avec personne. Et celui que je vais attraper par le callback, il va passer un sale quart d'heure. Les gars, je fais aucun bruit. Il est juste à côté. Bon, on va regarder d'abord ma cachette. Mais bon, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Non, ils sont pas là. Toujours pas là. Ils ont pas réussi à me la faire. Ça aurait été culotté quand même. Bon, là, il y a personne. Ça nous laisse deux solutions. La piscine, dans un premier temps. Allons voir. Personne? Surprenant. Mais la piscine est bien plus grande que ça. Ne jamais sous-estimer la taille d'un espace. Exploiter l'intégralité de l'espace, c'est la base pour un professionnel de cache-cache. Aïe. Les gars, il est juste à côté. Il va trouver Bilal. Oh, mais je vois une bombe. C'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Là, je vais vraiment exploiter tout l'espace parce que j'ai l'impression que je suis pas loin de trouver un truc. J'ai envie de voir. Bilal, je t'ai vu mon gars, sors d'ici. Mais Bilal, il a trouvé la meilleure cachette que j'ai jamais vue en 20 ans de cache-cache. Non. Bilal, t'es vraiment très fort. Même avec ma caméra thermique, j'aurais galéré à te trouver. Mais comment t'as fait? Tu sais très bien que je suis le meilleur joueur de cache-cache de tous les temps et aussi de la période actuelle. Ce qui fait que de par ce fait, je te trouve en 2 secondes. Mais Bilal, je te serre la main, c'est très bien joué. C'est pas moi qui ai gagné. J'ai une dernière personne à trouver. Non. Et je crois bien que c'est une ordure de première cette personne. Non. Je crois bien que c'est une personne qu'on va. C'est qui a jeté cette boule de glace? Dis-moi pas que c'est Harry Potter avec sa cape d'invisibilité. Bon, on continue la recherche.
Chut, j'ai trouvé quelqu'un. Meilleur cache-cache du monde. Et ils ont voulu me la faire. Mais quelle bande de zinzin. Toine lag trouvé. J'ai trouvé Toine lag. Regardez-le. Toine lag et Bilal, vous avez eu des idées de génie. Vous pouvez être fiers de vous. J'ai gagné. Toine lag, t'as été le dernier à être trouvé. Donc oui. Let's go les gars.